le monde, c'est Rupture, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ben, il fait super beau. On va se faire un petit chemin, donc je suis absolument tous les jours pour aller voir mes copains. Alors voilà, je vais vous faire ça, peut-être que je parlerai pas beaucoup parce que je vais essayer de rouler un peu comme je roule d'habitude. Du coup je me concentrerai un petit peu plus. Voilà, ça va être bien cool, on est parti. Là il fait tellement beau, mais c'est tellement impressionnant comme c'est bien quoi. On est mercredi, je viens de finir le bac aujourd'hui. Et voilà, on est parti pour le chemin. Let's go! La moto est chaude, hein, je ne pars jamais sans la faire chauffer. Racine. Au passage, je vais vous montrer. Vous savez que je me suis cassé la gueule la dernière fois. Aïe. Alors j'arrivais ici, mais vraiment vite. Et je regardais juste devant moi, quoi. Et alors là, il y avait un arbre en plein milieu. Je me suis cassé la gueule par là. Voilà, c'était celui-là d'ailleurs. Et les bulles, ils n'étaient pas. Et donc j'ai tapé un pile, mais c'était... J'ai tellement eu mal, j'ai encore mal aux genoux là. Sans rire, hein, c'est pas des conneries. Putain, ça glisse, hein, cette bouillie de merde. J'aime pas cette plaque, elle est énorme. Si tu passes là sur le côté, tu trembles jusqu'à la fin de la sortie. Là, c'est pareil, il y a des grosses plaques de merde. Allez, on est parti, la team! Là, il fait vraiment chaud. J'ai même pris trop d'épaisseur. J'ai déjà chaud, quoi. J'ai envie de partir, mais heureusement que j'ai mon sac dans mon dos. Je vais pouvoir en mettre. Village ici. Oh putain, ils sont en train de mettre du gravillon quoi. Putain, ça pue le goudron, c'est horrible. Ah, c'est horrible. J'aime pas ça moi. Cette odeur là. Donc là, petit bout de route, vraiment très petit, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. On attaque le chemin directement juste après là. Ça fait casse gueule là-dessus là. Je le connais tellement par cœur ce chemin quoi. Alors j'ai mis la vue harnais au milieu de la vue guidon aujourd'hui. Je pense que quand je fais des vlogs, je ferai une fois la vue harnais ou une fois la vue guidon. Franchement, dites-moi dans... Dites-moi clairement ce que vous préférez en commentaire. Parce que je sais pas trop en fait. Moi j'aime bien les deux. La vue harnais rend vraiment sympa quand on est assis comme ça, je trouve. Du coup, on atterrit ici. À gauche. Oh putain, oh, c'était énorme. Oh putain, oh, c'était énorme. Bon là, bon bah c'est reparti, hein. Gros coup de gaz qui fait partir en couille. Bon, forcément, si on démarre en 4, ça va pas faire. Énorme, énorme, franchement.
Parfait, j'ai filmé. Ça part là-dessus. Voilà, se casser la gueule comme ça, c'est vraiment marrant quoi. C'est là où on se marre. On fait pas mal, on rigole juste. Faut faire gaffe, il y a la route juste ici. Les personnes. Ici, on passe par là. Vraiment sympa ce petit endroit là. Ils ont coupé l'air d'ailleurs, je suis passé là le week-end dernier, c'était la jungle. Alors on va chercher la voiture, on va faire un petit tour. Pareil là, on va chercher la voiture et c'est bon. Un petit tronc d'arbre comme d'hab. Aïe. Alors là, c'est là que ça commence à devenir intéressant et sportif. Allez, c'est parti. Le chemin attaque ici. Et là, c'est que de la montée, bien chiante. Bah, bien marrant, surtout. Les ornières, c'est horrible. Voilà pourquoi j'aime pas ça. Des fois, il suffit que vous faites un faux mouvement et vous sortez de l'ornière et c'est horrible. Ça monte. Première fois que j'ai eu ma moto, j'ai fait cette montée. C'est la première à sortir. Alors les bras, mais comme ça m'avait tiré. Maintenant je sens plus rien là parce que je fais trop l'habitude. Mais... aïe. On va retourner à gauche, ici, voilà. D'arbres énorme. Deuxième tronc d'arbre, c'est vraiment, il est bien ce parcours pour monter là où je veux aller, pour aller voir mes potes. S'il faut faire gaffe, ça y était pas. Encore un tronc d'arbre, j'ai la flemme celui-là. C'est bien les tronçons, ça entraîne pas mal à lever la moto dans des situations compliquées, je dirais. Ah. Ici, c'est chiant, il y a un tronc d'arbre. Du coup, les enduristes, ils ont fait une petite déviation. Rien que pour eux. Et là, j'aime bien descendre. Bah tranquillement, en neutre, sans vitesse, comme ça, laisser descendre, sans se prendre la tête, c'est pas plus mal des fois. Bien penser au frein arrière dans la descente comme ça, avec de la... un petit peu de boue et un petit peu de rocher, sinon c'est trop casse-gueule avec le frein avant. Une piste, c'est toujours du monde, donc on regarde un petit coup d'œil, ça coûte rien. Oh là 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 là, c'est tellement beau, c'est déjà chaud quoi. Du coup après, oh putain, ça part tellement. Franchement, faire l'enduro avec ce temps, même tout seul, on se régale quoi. C'est juste énorme.
vrai que le couple c'est bien. Voilà, regardez, regardez le couple. Je crois que je suis en 4. Non, en 5 je crois. C'est tellement, enfin 4, non, je suis en 4ème, tu vois. Fais voir. 5. Si, tu vois, j'étais en 4. Dans des chemins comme ça, il y a souvent des personnes qui se promènent, des chemins juste à côté des villages, des hameaux. Du coup, moi je ne trouve pas non plus comme un sourd. Parce que des fois, c'est souvent que je tombe sur des petits randonneurs. Il y a pas de train. En troisième, quoi. Franchement, c'est jouissif cette moto. Je regrette pas du tout mon choix. Et ben voilà les gars, la balade est finie. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était bien sympa. Je sais pas combien de temps a duré la petite vidéo. À très bientôt, suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. À la prochaine, je vous kiffe, on est bientôt 24 000, c'est énorme. Allez, à tous les gars. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to.